Team Musicalement, nous remercions du fond du cœur tous les membres de Carapin Music et tous les musiciens de Carapin Music. J'espère que vous allez bien. Alors, vous avez Fla. Bonsoir. Ensuite, Kalidou, Kaz. Bonsoir. Et Bakou. Bonsoir. Moi, c'est Maya. Salam alaikum, le monde entier, chers amis internautes du Goethe Institut Sénégal. Bonsoir, bienvenue dans Musique and More, votre rendez-vous culturel musical mensuel. Donc Musique and More, nous sommes désolés parce que Nyx était programmé pour des soucis de santé, donc Nyx a dû annuler. Nous sommes avec le groupe Carapin Music. Ce sont des jeunes, ils sont pas mal, ils sont forts et ils sont chauds. Là en ce moment, à l'intérieur de la salle Vaïma du Goethe Institut, ils sont en train de faire leur show. Petit à petit, ça monte un peu. Donc là, on va entrer à l'intérieur de la salle et on va découvrir exactement comment ça se passe l'ambiance au Goethe Institut. C'est la deuxième fois au Goethe Institut pour moi. Je trouve le concert génial, top. L'ambiance elle est magnifique. On rencontre tout le monde, des amis, des gens qu'on a vus il y a très longtemps, qu'on retrouve dans une soirée after work. L'ambiance elle est bonne, Carapin, c'est génial. Le rythme, on ne reconnaît même pas c'est quel genre de musique, tellement on voyage. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup aimé. Je ne raterai pas un autre concert. Yeah, c'est votre artiste Overdub alongside Federal Tupic, you know. On est là aujourd'hui au Goethe Institut, you know, mais, you know, avec Carapin, guys, new show, le new dev de first show, d'après du Wadel, Inch'Allah, le 17 mai au Just For You, you know, à partir de 21h, on y a peut-être reggae music, yeah, bless yourself. You are my love, you are my life, you are my sunshine, everything sweet love, morning, all I want to say, baby, morning. Carapin Music, c'est un collectif. On est quatre personnes, donc Kalidou, Bako, Pla et puis moi. Donc on est vraiment quatre personnes vraiment différentes, donc même pour travailler sur le projet FIP, donc qui vaut quand même tous ces concerts là, ce qu'on fait en ce moment au Just et puis un peu partout. Donc c'est un peu de chacun de nous en fait, donc on a mis la sensibilité de chaque personne dans ce projet là. Et pour le moment on s'est tellement donné à fond pour ce projet qu'on a envie de le faire valoir avec de bons shows et tout ça. Maintenant, pour le moment, on a un clip qui va sortir, donc un single qui s'appelle Crème, donc où il n'y a que les garçons. Comme je dis, c'est un collectif, donc pour certaines chansons, c'est selon la sensibilité de chacun. On était au Goethe Institut aujourd'hui, donc pour un concert de dernière minute, franchement de dernière minute. Mais voilà, pour nous c'était bien, bah, j'espère que pour les gens aussi c'était top. Mais ça nous a plu. Comme toujours, nous, en fait, on aime être sur scène, donc voilà. Le projet Musique and More, pour moi, c'est une super belle initiative pour de jeunes artistes, en tout cas, comme nous, parce que c'est une occasion pour nous de rencontrer un nouveau public. Et voilà. Donc, juste des gens, on va dire, peut-être qui passent. Et ça nous plaît, en fait, que déjà, on ait une validation de ces gens-là, qu'ils aiment notre musique. Donc, ça nous encourage à aller plus loin. Et bah, déjà, la salle, elle est excellente. Il y a de bons moyens techniques, donc ce qui fait qu'après pour la sono on n'a pas trop à s'inquiéter, et après ça aide justement pour la confiance de l'artiste, donc ça fait que finalement on a envie de se donner à fond pour faire un show de malade quoi. Musique
finalement, c'est fini pour ce soir. On avait comme invité le Carapid Music, donc qui a remplacé le Nix, qui pouvait pas jouer ce soir. Donc ça a été un show de dingue. Bah, c'était des malades, des bêtes de scène, vraiment, parce que là, ils ont fait un show que même nous on n'entendait pas. Donc voilà, musicalement. Pour musicalement aussi, il y avait l'exposition, on va dire, de Sylvia Forsten pour le moment, donc qui parlait du dernier village, le dernier village, parce que là, elle expliquait un peu que les villages mouraient. Pourquoi? Parce que voilà, l'exode rural, tout le monde quittait les villages pour les grandes villes, pour les grandes surfaces, etc. Donc ça s'est passé comme ça dans le musicalement. Le rendez-vous est pris pour la prochaine fois, ce sera le 21 avril avec Abu Faye et ce sera avec du jazz. Musical North se finit pour ce soir. Rendez-vous est pris, donc on va dire. Et là, on va. Donc on va être content de vous voir pour le prochain Musical North. Chers amis internautes, c'était tout pour ce soir. Et on vous donne rendez-vous au mois d'avril. Et voilà. Bon, bon, bon. Bra. Renaissance, 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 rena